ça c'est bon aussi. Et donc du coup, on revient à Blender et je vais mettre Blender. Là, vous avez une histoire. Là, toggle window full screen. Je vais faire ça. Donc du coup, je me demande, je vous vois toujours. Vous voyez mon écran toujours. C'est bon. Vous voyez Blender. C'est bon. D'accord. Voilà. Et donc du coup, comme je vous ai promis, on va commencer à modéliser la petite boîte de cannelle hein, en fait que je vous ai montré d'avant et qui va nous servir après pour jouer avec, voilà, disons ça comme ça. Et donc du coup, comment on va faire? Donc je zoome là un peu à l'intérieur et donc du coup là, c'est la première chose qu'on va faire, on va effacer le cube qui est là en fait. Et donc du coup, je tape pour effacer. Quand vous avez sélectionné un objet ou plusieurs objets, vous tapez X, voilà, et avec X, ça vous demande delete, voilà, et vous faites ça, et donc du coup, notre cube, il est parti. Et du coup, on va faire add, et là, vous avez une histoire complain, et donc on va faire ça, donc on va ajouter une, voilà, une plan, voilà, comme tel, et donc il est un peu petit, et donc du coup, je vais faire S. Je vais taper S pour scale, voilà, et je vais faire 3 peut-être, donc je vais juste taper 3, et comme ça, j'ai un plan, comment on dit, qui est un peu comme ça, qui va nous servir comme base pour notre boîte, voilà, et donc je tape entrée, et c'est bon. Et donc du coup, j'ai mon plan, bon, à l'échelle, et là, on va aller, comment on dit, dans le edit mode. Et du coup, je vais tout désélectionner. Donc, j'ai fait Alt A, voilà, pour tout désélectionner. Et du coup, on va essayer à faire des coupes. Et donc, des coupes, vous avez là un outil qui s'appelle Loop Cut. Donc, soit vous utilisez celui-là, soit vous tapez Ctrl R et ça va marcher aussi. Donc, si on tape Ctrl R, bon, ouais, le plan. Vous faites entrer et c'est vous tapez add plane. C'est bon? Ouais. Voilà. Et donc du coup on va faire le loop cut, donc on clique là en dessous. Et normalement quand on est là quelque part comment on dit, donc là autour du milieu. Donc il faut trouver l'axe, donc si vous trouvez l'axe, normalement elle vous propose, donc voilà, c'est pas toujours simple à trouver, mais voilà, donc là il me propose cette coupe là, mais en fait je clique avec ma souris, et je reste avec mon bouton en dessous, donc ça c'est le bouton gauche, et je sais comment on dit, et je vais mettre les trucs là à côté, et environ là en fait, voilà, hop. C'est juste pour faire après un mur en fait à notre boîte, voilà, c'est un peu ça, ouais. C'est pas du tout problématique si c'est pas exact, hein, on fait pas l'architecture là en fait, hein, donc si on voudrait avoir ça exact, je vous ai montré, mais il faudra prendre les deux vertices et il faudra, comment dire, ajuster avec la petite fenêtre au bon endroit exactement en fait, voilà. Et donc du coup, j'ai fait une deuxième coupe comme celle-là et je vais le mettre vers là-bas, voilà, environ vers là. Pour que c'est environ quadratique là à la fin, voilà. Et on va faire une troisième. Et on va passer de cette côté là. Hop. Pour que c'est à peu près pareil que sur l'autre côté. Ouais. Et voilà. Et donc du coup, chez mon plan qui est coupé. Donc j'ai quelques edges dans mon plan. Donc là je peux taper échappe. Donc là, pour revenir au normal, vous utilisez le, comment dit, le select box, le premier tout là-haut, là, en fait. Ouais. Et donc du coup, chez, comment dit, chez mon plan tout à fait normal, et chez, comment dit, on a créé des vertices et quelques, comment dit, et quelques bordures là à l'intérieur de notre plan. Et du coup, ça c'est très chouette, mais maintenant en fait, on n'a toujours pas de sol, parce qu'en fait c'est un plan en deux dimensions, donc du coup, comme je vous dis, on veut avoir des objets qui, comme on dit, qui sont fermés. Et comment j'ai fait? Donc du coup, je vais sélectionner tout, donc pour tout sélectionner, j'ai fait A,
Et vous voyez, j'ai sélectionné toutes mes vertices, toutes les edges et en même temps aussi le face, parce qu'en fait, une fois que c'est fait, c'est ça. Et donc, du coup, il y a un bouton qui s'appelle, donc ça s'appelle l'extrusion. Donc, pour faire l'extrusion, vous tapez juste E en fait. Donc, vous tapez juste E sur votre clavier. Et là, comme j'ai mon truc, déjà, il me propose le plan Z. Donc, il est déjà sélectionné. C'est pourquoi j'ai là l'axe en bleu. Si vous n'avez pas l'axe en bleu, vous tapez Z pour que, comme on dit, pour que vous restez stable dans le plan Z. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, là, vous voyez, n'importe comment je bouge, je reste stable dans le plan Z. Si je voudrais déverrouiller, je peux taper Z et j'ai déverrouillé et j'ai fait l'extrusion envers ailleurs. Hein. Et donc, du coup, on va élever cette histoire jusqu'à environ pour que ça fasse mon carré là, en fait, avec le mur là. Hein, donc, à peu près là. Hop. Et donc, on va faire ça. Et donc, du coup, on a du sol en fait. Hein. Voilà. Donc là, on a fait le sol, voilà, et quand on regarde dedans, donc on peut, comment on dit, quand on zoome, on peut, il m'a enlevé les murs qui sont à l'intérieur, donc ça c'est très chouette parce que je veux avoir juste un bloc en fait qui est vide, hein, et donc c'est exactement ce qu'il m'a fait. Voilà. Donc ça c'est bon, donc on a notre sol, et donc maintenant, il va falloir construire le mur, voilà. Et donc du coup, on va faire le suivant, on va la changer en là-haut, là, en fait, sur les trois, comme je vous ai expliqué. Donc, vous avez là, juste pour le redire, vous avez là le vertice, là, vous avez les bordures, donc edges, et vous avez le face, en fait. Et donc, nous, on veut sélectionner les faces dans ce cas-là. Et donc, du coup, en fait, quand vous cliquez à gauche, vous sélectionnez, mais quand vous cliquez en milieu, donc quand tu fais... ça marche pas, là, en fait. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Pourquoi ça m'a... Donc si je fais la B, et avec B ça marche. Donc si vous faites B pour Border Select et vous cliquez à gauche, vous sélectionnez. Et si vous faites B et vous cliquez au milieu, vous désélectionnez en fait. Voilà. Et donc du coup, nous on ne veut avoir que le mur en fait. Donc déjà, vous faites Alt A pour tout désélectionner. Et là en fait, on va sélectionner juste le... Comment on dit juste le mur. Et donc ça sont, dans notre cas, ça sont 1, 2, 3, 4, 5 faces. Hein. Donc on va sélectionner les 5 faces qui sont là-haut en fait. Donc je vais prendre celui-là, celui-là, celui-là. Ah, il veut pas. Hop. Ah, là j'ai trop sélectionné, donc j'ai fait mon truc avec le bouton au milieu. Celui-là et celui-là. Hop. Et donc là j'ai sélectionné mes 5 faces. Et une fois que j'ai que ces 5 faces, mais je peux faire pareil, comme juste apparemment. On va faire l'histoire de extrusion, donc E. Il me propose déjà le plan Z, donc c'est ce qu'on va garder. Et on va monter, voilà, on va faire quand même un peu d'hauteur, je sais pas, donc là c'est 6 mètres, visiblement, qu'est-ce qu'il dit. On va faire ça, comme ça. Donc on va, oui, on va aller environ vers ici, voilà. Voilà, et donc on a déjà un truc comme ça. Bon, donc là chez Zoom on peut à l'extérieur et qu'est-ce que je vais faire maintenant, il faut là en bas on a le comment dire, on a très bien notre comment ça s'appelle, notre base, mais après il faut aussi avoir une, comment dire, une fermeture là-haut en fait. Et donc comment on va faire, je vais faire une deuxième extrusion, donc comme celui-là, pour que j'ai des edges là-haut en fait, vous voyez. Donc je vais voir que c'est à peu près, je sais pas, environnement quadratique, voilà, une histoire comme ça, c'est pas parfait, c'est pas grave, hein. Voilà, et donc on a ça. Et donc du coup, le problème c'est, maintenant j'ai là les murs à l'intérieur, et donc c'est pas ça ce que je veux avoir, parce qu'en fait je vais juste avoir que le truc il est fermé là-haut, mais je vais pas avoir la mur à l'intérieur de l'objet en fait, hein, voilà. Et donc du coup, comment je vais faire? Donc je vais comme là, je vais rester dans le face select mode. Donc je vais déjà tout sélectionner, hop. Et donc après avec border select, je sélectionne avec P le 3, hop. Ces trois faces là, voilà. Et avec X, je vais juste effacer le face en fait. Donc X, ça me fait delete. Donc là, j'ai fait face. Et le face en fait, ils sont partis.
Et donc vous voyez, bah, maintenant j'ai mon truc avec un trou. Mais qui est pas si mal pour ça, parce qu'en fait, là après, on va changer dans le Vertex Select Mode, donc en fait, pour sélectionner les vertices. Et là, là il faut faire très attention pour trouver les bons vertices, donc soit vous changez, comme je vous ai dit, l'histoire du repère, hein, donc vous pouvez changer le repère plus haut, soit vous restez comme moi, vous zoomez un peu, et parce qu'il faut que vous les sélectionnez que les 4 bons en fait, hein, donc si vous sélectionnez mauvais, bah, le mieux c'est soit vous faites Alt A pour tout désélectionner et recommencer, ou vous faites B et vous utilisez le bouton au milieu pour désélectionner et pas le bouton gauche en fait. Voilà, et donc moi je sélectionne là, je commence avec le 4 en base. Voilà, et donc là il faut très bien faire attention qu'on ne sélectionne pas celles qui sont derrière en fait. Donc juste celui qui est au coin là en fait, celui-là. Ouais, et celui-là. Et une fois que j'en ai sélectionné 4, bah, je peux, comme on dit, en touchant la touche F, si vous touchez F, ça vous crée une face en fait. Voilà. Si vous avez 2 et vous touchez F, ça vous crée une edge, hein, donc ça vous crée aussi une, comment on dit, une bordure en fait. Hein. Mais voilà, donc là, si vous avez 3 ou si vous avez 4, ça vous crée automatiquement une face en fait. Hein. Donc soit ça vous fait une face triangulaire, soit ça vous fait une face, comment on dit, une face bah, comme celui-là, comment on dit, je dirais que c'est pas quadratique parce que une face rectangulaire, voilà, disons ça comme ça. Et donc du coup, ouais. 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 Non, non, mais je comprends très bien, je comprends très bien. Après, si vous voyez pas, l'idée c'était a priori que je vous montre ça, que entre guillemets vous prenez un peu les notes et vous essayez à faire ça toute seule après en fait. Hein, mais parce que faire ça en même temps, je comprends très bien que ça va pas très bien marcher parce que vous voyez pas mon écran, vous voyez pas Blender en même temps, non, ça va être un peu compliqué. Mais si vous voulez, donc en fait, dites-moi où vous êtes bloqué en fait. Ouais. 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 Bah vous faites B en fait. Donc si vous faites B, vous avez un croix comme ça. Et vous pouvez sélectionner comme ça et ça va toujours ajouter en fait. Attendez, parce que là j'ai pas de face. Donc là je suis en edge. Mais si j'ai fait ça et si j'ai fait B une deuxième fois, ça ajoute toujours en fait. Ouais. Ouais. Donc c'est le border select mode. Moi j'utilise ça tout le temps en fait. Ouais. Parce que si vous utilisez le bouton droite, bah, vous sélectionnez un seul toujours. Et je crois que si vous utilisez Shift et le bouton droite, vous pouvez aussi sélectionner plusieurs. Voilà, ça, on peut faire comme ça aussi. Moi, par habitude, comme on dit, aux anciennes interfaces où ça n'existait pas, j'ai utilisé B toujours. C'est un peu vieux, mais je sais pas. Voilà, c'est un peu ça. Et donc du coup, je vais revenir vers les vertices. Bon, bon ça va, vous avez réussi à sélectionner le... C'est 1, 2, 3, 4, 5, c'est ça en fait. Ouais. Ouais, et après c'est E et faire l'extrusion là-haut en fait. Ouais. Et une fois que vous êtes à une certaine hauteur, bah, vous faites E une deuxième fois et vous faites juste une extrusion toute petite pour faire le toit après. Pour avoir des vertices pour faire le toit. Ouais. C'est bon. Et donc là maintenant, quand vous avez le deuxième, vous sélectionnez le 3 faces qui sont là à l'intérieur, donc juste le petit. Et vous tapez X pour les effacer en fait, pour vous faire un trou en fait. Parce que sinon vous avez des murs dans le truc dedans en fait. Et c'est pas ce qu'on veut avoir. Ouais. Vous avez ça?
Si vous avez trop sélectionné, vous faites Alt A pour tout est sélectionné, hein. Ouais. Vous pouvez aussi avec la main vous déplacer, hein, si vous tapez, prenez là la main et par exemple vous êtes trop en bas et vous dites bah, vous voyez pas le haut, vous pouvez là prendre la main et comme ça vous pouvez vous déplacer un peu comme ça en fait. Ouais. C'est bon? Ouais, ça va être ça. Ouais, excusez-moi. Voilà. Et donc, vous effacez les trois murs. Et après, comment dire, mais après, il faut créer la face en fait. Hein, donc, il faut sélectionner. Donc là il faut changer après pour sélectionner les vertices en fait. Il faut sélectionner les quatre. Voilà, et ça c'est pas forcément gagné parce qu'il faut faire attention qu'on ne sélectionne pas des autres, hein, donc on ne sélectionne que les quatre en fait. Ouais. Ouais. Et une fois que ça c'est fait, bah, on tape F et avec F ça crée la face là en fait. Entre les cartes qu'on a sélectionnées. Voilà. Et donc du coup, moi je vais faire ça une deuxième fois. Donc je vais désélectionner déjà toutes les faces. Et donc... Mais ne vous inquiétez pas parce qu'a priori c'était prévu que moi je vous montre ça et que a priori c'était qu'on fasse ça déjà ce matin, mais... Et vous aurez fait ça cet après-midi toute seule et m'aurez montré si vous arrivez pas. Mais sinon, on va faire ça demain matin que vous faites la boîte et là vous prenez les notes et demain vous faites la boîte et chez vous êtes si vous y arrivez pas en fait. Pour voir si ça marche bien en fait. Ouais. Et après vous pouvez partager vos écrans et on peut voir si vous arrivez pas à un certain endroit, une histoire comme ça. Voilà. Ouais. Ouais. Rapide. Bah en fait, pour faire ça, il faut aller dans le object mode, donc si tu veux avoir tout l'objet, donc avec tabulateur, et t'as là en fait ta location en fait. Et donc si tu tapes là 00, ben, ça te va te mettre 00 en fait. Ouais. Voilà. Bon, et donc du coup, je vais rentrer là. Et donc du coup, ouais. Ah, c'est le B en fait, comme le bébé en fait. Voilà. Ouais, c'est moi, voilà. Et donc, du coup, c'est ça. Et donc, j'ai sélectionné les 4 là-haut, et je tape F une deuxième fois, et j'ai mon 3 en fait. Ouais. Voilà. Et donc, du coup, il me reste juste une face devant en fait, à fermer, et donc je vais faire ça. Donc on va faire Alt A et donc du coup on va fermer ici 1, 2, 3, 4 et on va faire F et on a une surface, on a notre objet en fait. Ouais, donc on a une boîte. Voilà, donc si vous voulez, faites tous la boîte et chez vous attend et si vous avez un problème à faire la boîte, bah dites-moi après, voilà. Est-ce que ça va? Voilà.
comment on dit, si vous arrivez pas à un certain endroit, vous me dites, je vais essayer à vous aider. Ouais. Juste le toit. Ouais, le premier niveau. Ouais, d'accord. Donc je vais détruire mon toit. Hop. Donc je vais sélectionner ça. Faces. Hop. On va faire ça comme ça. Donc je vais edit faces. Donc vous êtes là, c'est ça? Vous avez là le, comment dire, le toit comme tel. La première face. Ouais, d'accord. Donc en fait, il faut bien vérifier que vous avez détruit le trois faces qui sont là en fait, donc là dans le coin. Faut qu'ils sont, comment dire, que ça doit être une vide, hein, parce que sinon vous vous créez. Si vous faites le truc transparent un jour, vous créez en fait des plans virtuels qui n'existeront pas. Hein. Et donc du coup, là c'est bien vide. Et donc du coup, c'est tout simple en fait. Hein. Il faut juste sélectionner en fait les coins. Voilà, donc je prends le quatre coins là haut là en fait. Bon, il faut voir que le 4 en bas, ils sont désélectionnés. Hein, donc pour tout désélectionner, c'est Alt A et après on sélectionne juste le 4 en haut. Et une fois qu'on a sélectionné le 4 en haut, en fait, on fait F. Et ça m'a fait le plan en haut. Et après, j'ai fait la même chose ici pour fermer, en fait. Donc là, j'enlève toute la sélection. Je prends là le 4 vertices qui sont là. Et j'ai fait F et c'est fermé en fait. C'est bon? Voilà. Bon, ça va les autres, vous fabriquez tous les trucs? Je vais voir. Attendez, je vais sortir peut-être parce que je crois que quelqu'un a posé une question. Est-ce que quelqu'un peut voir dans les chats s'il y a une question et la lire s'il vous plaît? D'accord. D'accord. Attendez, je vais voir ça. Si je sors là, comment on dit, mon full screen en fait. Hop. Hop. Il est où le chat là en fait? D'accord. Donc, comment faire les murs en fait, c'est ça? Vous êtes resté au plateau, c'est ça? Vous avez juste les plateaux là-bas, en fait, c'est ça? D'accord. Et vous voulez savoir comment créer le mur, en fait, c'est ça? Donc c'est tout simple en fait, vous prenez, si vous avez que votre plateforme, donc imaginez ça c'est votre plateforme en fait, ouais. Donc il faut, donc vous désélectionnez tout. Vous allez dans le Face Select Mode. Vous prenez le 3 faces là en fait, excusez-moi, les 5 faces, hop. Et après vous tapez E pour extrusion en fait. Et donc ça vous devrait le faire monter, si vous bougez la souris, ça vous devrait le faire monter automatiquement en fait. C'est bon? Bon, comment on fait les faces? Donc les faces, on les crée avec F en fait. Donc une fois quand on n'a pas de face en fait, il faut juste taper F en fait. Donc si j'ai pas de face, par exemple j'efface cette face là en fait, je vais effacer une face et je vais créer un 1. Donc du coup je vais tout désélectionner.
je vais effacer une face, voilà, pour le faire un peu plus compliqué, je vais effacer la face ici en fait, voilà, donc je prends là, hop, donc j'enlève la face, donc là j'ai un trou, et donc comment j'ai créé une face, si j'ai pas de face, il faut que, il faut que je prends mes vertices. Donc je vais sélectionner 4 vertices pour faire une face à 4, pour faire un quad en fait, qu'est-ce qu'on appelle, ça comme ça. A priori 3 vertices suffisent, donc à partir de 3 vertices il vous fait une face, mais il vous fait des triangles en fait. Hein. Et donc du coup là je vais sélectionner mes 4, et une fois que les 4 sont sélectionnés, il faut taper F, et avec F il va me créer une face en fait. Est-ce que ça répond à la question ici? Oui, donc soit, d'accord, donc il lui a deux astuces, voilà, donc soit vous tapez Shift et vous sélectionnez un par un avec le bouton droite, si vous êtes en Face Select Mode, pas comme moi, voilà, hop, et donc avec Shift et le bouton droit, vous pouvez faire ça, vous pouvez les sélectionner un par un, ou vous faites juste Border Select, donc c'est B, et là, en fait, vous pouvez B, en touchant B et en faisant le petit carré là, en fait, vous pouvez les ajouter un après les autres. Ouais. Voilà. Ouais. Voilà, je vous cache pas, le Shift, c'est peut-être pas forcément la meilleure façon de faire, parce que normalement, vous avez plein de petites faces, donc surtout quand vous avez des objets plus complexes, parce qu'en fait, quand vous les modélisez, vous imaginez, je sais pas si vous avez un animal ou une histoire comme ça, et donc vous aurez plein de petites faces, donc après, vous voulez sélectionner plein de faces en même temps, donc vous faites P, et vous passez sur toutes les faces, et comme ça, ça vous sélectionne automatiquement plusieurs faces en même temps, en fait, ouais. Voilà, c'est un peu ça. Ouais. Bon, ça va pour la boîte? Tout le monde arrive à peu près? Ouais. Oui. Ouais. Ouais. En fait, avant qu'on avait le toit, juste quand tu ouvres là, en fait... Je vais faire ça, donc on peut changer là sur le wireframe là en fait. Donc là vous pouvez, vous avez 4 boutons, et ça vous donne en fait comment vous avez l'affichage, hein. Donc vous avez l'affichage, en wireframe, on appelle ça, donc juste en ressort si vous voulez. Après là c'est, là c'est shaded, et donc là vous avez un qui est un peu, qui vous monte aussi, et si vous avez après... projeter des images sur les murs, et là vous avez un où il fait carrément le rendu en fait, hein. Donc là c'est déjà comment ça devrait être à la fin, mais quand je vais là dans le wireframe, et donc en fait le truc qui est important, c'est vous voyez, on a nos deux plans là en fait, donc qui sont indiqués par les deux points là en fait, donc le point là super, le plan supérieur, le plan inférieur là. Et là, en fait, là, à l'intérieur, on veut pas avoir une face là, en fait, pour que là, il y a pas une deuxième face. Vous voyez où c'est? Parce que là, en fait, là, j'ai que une face, en fait, non? Et j'ai une face devant et j'ai une face derrière, mais j'ai pas une deuxième à l'intérieur, en fait. Ouais. Et donc, il faut supprimer ces trois là, en fait. Ouais. Ouais. Si vous le faites pas, c'est pas grave, hein, pour qu'est-ce que nous on fait en fait. Le jeu, c'est si l'objet est solide, a priori, c'est pas forcément problématique. C'est problématique surtout quand vous avez des matériaux transparents, parce qu'en fait, vous verrez que il vous fait, une réfraction là derrière, et en fait, c'est pas ce que vous voulez en fait, hein. Vous avez pas là un plan où a priori la lumière devra changer l'angle en fait. Ouais. C'est surtout pour ça en fait, ouais. Voilà, te fais attention à ça en fait, ouais. Voilà, et donc du coup on a une surface, comme je disais, fermée, donc en fait on est fermé de tous côtés,
Comment on dit, et elle est tridimensionnelle, donc elle est pas, comment on dit, c'est pas, on n'a pas des murs en deux dimensions en fait. Voilà. Et c'est exactement comme ça comment vous devez créer vos objets. Donc vous devez voir qu'ils sont toujours, qu'ils sont dans la nature, comment on dit, toujours entre guillemets fermés et complètes, hein, parce qu'en fait, oui, on peut se débrouiller à faire juste une comment on dit, un plan. Mais c'est pas, comment on dit, c'est pas la problématique. Par exemple, si après, si je veux avoir cet objet, et par exemple, j'ai dit, bah, ça c'est un verre, après, bah ça va plus marcher en fait. Hein. Si je mets juste un plan, ça va faire des rendus un peu bizarres en fait. Hein. Voilà. Donc c'est ça. Et donc, du coup, une fois qu'on a tout ça, bah, je vais revenir vers l'affichage comme tel. Mais on va regarder l'histoire que je vous ai racontée avec des noirs mots en fait. Hein. Donc on va voir si je clique là, hop. Et donc là, vous avez Normals. Et donc vous cliquez sur Face Normals parce que ce sont surtout ceux qui sont importants. Hein. Et donc après, on peut les agrandir un petit peu comme ça. Et ce qui nous intéresse surtout, c'est est-ce qu'ils sont tous sortants en fait. Hein. Donc si on va là dans le, comment on dit, dans le... comment on dit, dans cette histoire-là, on va très bien, comment on dit, chez moi, ils sont tous sortants en fait. Hein. Donc ça peut arriver parce que vous avez effacé un plan et vous avez remis un plan qui ne sont pas tous sortants. Et donc si vous, s'ils ne sont pas tous sortants, vous avez un truc qui s'appelle là Make Normals. Non, ça n'existe plus. Normals. Attends. Bon, je vais vous trouver ça, mais normalement il y avait un truc comme Make Normals Consistent. Shoot and Face Normals. Non, c'est pas ça. Orientation, voilà. Et donc là, vous pouvez avec l'orientation, bah, vous pouvez effectivement, vous pouvez changer, comment on dit, l'orientation de normaux en fait, si vous avez un qui va dans la mauvaise direction. Voilà, donc c'est un peu ça. Hein. Donc vous sélectionnez les faces comme ça. Et si j'ai fait là Normals, et Normals Set from Faces, non, c'est pas ça. C'est là Orientation. Voilà, donc vous savez orientation normal, et donc là normalement ça te va faire ça en fait. Non, ça va être autre chose. Pourquoi ça a changé là en fait? Parce que normalement il avait là un truc qui s'appelait Make Normals Consistent. Bon, je vais vous trouver ça. Chez moi elles sont consistantes de toute façon. Mais normalement il devrait avoir une option pour, comment on dit, pour avoir ça en fait. Je vais voir là dans Faces peut-être. Donc ça change visiblement dans cette nouvelle version en fait, c'est plus là-dedans comme ça. Donc normalement, comme on dit, normalement vous avez un truc peut-être, elle est comme ça aussi, recalculate. Oui, donc c'est ça en fait, donc c'est recalculate inside ou recalculate outside. Donc si, comme on dit, s'ils sont pas consistantes, vous faites recalculate outside et ils vont mettre consistantes automatiquement en fait. Voilà, donc c'est tout à fait ça. Ouais. Et si vous voulez avoir les normaux à l'intérieur, bah vous faites recalculate inside, mais c'est pas qu'est-ce qu'on veut en fait. Ça c'est juste si, comment on dit, si on a complètement un objet fermé en fait. Donc qu'est-ce que beaucoup de gens ils font par exemple pour vous faire comprendre les inside, c'est bah ils fabriquent un ciel, et pour fabriquer un ciel, bah, qu'est-ce que les gens en fait ils font, ils construisent une sphère énorme en fait, et sur la sphère effectivement, bah, qui fait le ciel après. Bah, où ils projettent un ciel en dessous, vous, comment on dit, vous mettez des normaux à l'intérieur parce qu'en fait, bah, c'est ça qu'est-ce que vous voulez avoir avec la lumière. Hein. Vous voulez que la lumière, entre guillemets, dans le ciel, il réfléchisse vers l'intérieur en fait. Voilà, donc c'est un peu ça. Mais là, en fait, c'est bon. Donc, toutes les normaux ils vont à l'extérieur de l'objet, c'est exactement ce que l'on veut avoir, et c'est, comment on dit, et c'est le bon côté de cette côté-là. Donc vous regardez vous-même, si chez vous c'est pas, comment on dit, si chez vous l'orientation elle est pas bon, bah, il faut le recalculer en fait. Ouais. Voilà.
Et comme dit, bah là, heureusement, c'est pas arrivé, mais ça arrive assez souvent parce qu'il vous suffit que vous effacez un plan, vous refaites un plan, et comment dire, et Blender il capte pas, et le normal en fait, bah, il est rentré à l'intérieur et pas à l'extérieur en fait. Ouais, ça peut arriver, hein. Voilà. Et donc du coup, on a notre objet et on va voir ça, voilà. Donc du coup, on va revenir vers le shaded là, hop. Et je vais désélectionner tout ça. Donc déjà, je vais enlever mon X-ray là, en fait, pour que je vois que les faces comme ils sont. Et on va désélectionner, hop. Et on a tout. Et donc du coup, on va faire le quad view. Et qu'est-ce qu'on veut avoir? On veut avoir que la caméra, en fait, elle est là devant, pour qu'elle rentre, pour qu'elle regarde là-dedans, en fait, hein. Et donc, dans mon quad view, vous voyez, chez la caméra, là, là et là, et j'ai aussi une lampe. Et donc là aussi, la lampe, comme on dit, la lampe, on va s'effacer la lampe. Et on va faire comme on dit, un objet qui va être lumineux à l'intérieur de la boîte, en fait. Voilà. Donc on va se créer une vraie lampe, pas comment dire, une lampe comme telle. Donc en fait, bah, cette lampe, ça, c'est en fait, c'est aussi une vraie lampe, mais quand vous cliquez en dessous, en fait, ces lampes-là, donc ça déjà, vous avez plusieurs types de lampes, mais ça devrait être là, quelque part. Non, non, ça changeait ainsi. Bon, et donc là vous avez la lampe et a priori comme on dit on n'en a pas besoin parce qu'elle va se faire une vraie lampe à l'intérieur. Si vous faites une lampe comme telle en fait elle est comme on dit elle est comment je peux vous dire? Bah, c'est en fait c'est une lampe qui a pas d'objet donc en fait si vous regardez vers la caméra dans la lampe bah, vous le verrez pas en fait. C'est un peu ça en fait l'histoire. Ouais. Nous on va se créer une vraie lampe mais bah, qu'on voit aussi, voilà, donc c'est un peu ça. Ouais. Donc du coup, la lampe qu'on a là, on va l'effacer. Voilà, donc j'ai fait. Donc vous la sélectionnez, vous regardez que la lampe elle est sélectionnée. On est dans l'object mode, hein, donc excusez-moi, moi non, mais est-ce que je suis bien dans l'object mode? Donc je suis dans l'object mode, sinon je le sélectionne là à côté. Vous avez là en fait la collection de tous les objets qui sont dans votre scène, hein. Donc je sélectionne la lampe et une fois que j'ai sélectionné la lampe mâché comment on dit chevet comment on dit chevet la effacer en fait. Donc en fait là c'est bon. Donc là en fait quand j'ai sélectionné la lampe vous voyez vous avez assis là, je vais vous montrer ça quand même, vous avez là en fait une fois qu'on a sélectionné la lampe vous avez là une petite icône lampe en fait, voilà. Et vous avez des lampes différentes en fait, hein. Donc vous pouvez effectivement changer la couleur, vous pouvez aussi changer comment on dit, l'énergie que la lampe elle émet, hein. Et du coup vous pouvez changer par exemple vers du soleil, et donc vers du soleil en fait c'est si vous voulez ça fait entre guillemets une source lumineuse qui est censée être un immense plan qui est normal au trait que vous voyez là. Donc vous pouvez faire une rotation de la lampe en touchant R et comment on dit, et changer le trait et la direction dans laquelle elle voit. Et en fait, voilà, et donc du coup, ça vous fait tout un plan qui met la lumière vers votre objet. Et donc vous avez ça, après vous avez effectivement le spot. Donc là aussi, on peut avec S, on peut mettre le spot à l'échelle. Et vous pouvez effectivement aussi avec comment on dit avec R faire une rotation pour que vous avez le spot au bon endroit. Et donc là vous pouvez aussi jouer avec le rayon là en fait et la distance. Voilà, donc vous voyez ça là en fait, vous savez les valeurs qui sont là dedans. Et du coup comment on dit, donc vous savez cette histoire là aussi, hein. Donc c'est des trucs qu'on peut avoir. Et vous avez Area, donc Area ça fait en fait une lampe qui a une certaine, comment on dit, qui a un carré, donc là vous pouvez mettre une shape et vous dites quelle elle est, elle est normale, donc cette rectangle dans ce cas-là elle sert à normal au, comment on dit, au point que vous avez là et qui sert à lumineux, qui émettra de la lumière, voilà, effectivement vers votre objet en fait.
Mais on va pas utiliser ça, donc on va se créer après un objet qui effectivement qui est lumineux en lui-même et qui va émettre la lumière à l'intérieur de notre comment dire de notre objet. Donc du coup maintenant que vous avez vu la lampe, on va l'effacer. Donc vous cliquez là sur la lampe pour regarder si que rien est sélectionné, en fait rien d'autre. Vous êtes bien dans l'object mode, parce que si vous n'êtes pas dans le mode objet, peut-être vous effacez d'autres choses. Voilà, et donc une fois que ça c'est fait, on fait X et on va effacer la lampe. Et du coup, on n'en a plus de lampe, hein, donc c'est pas grave, mais voilà. Et avant qu'on fasse autre chose, on va mettre la caméra en bon endroit. Et donc, pour faire ça, bah vous voyez la caméra là, elle est à côté, donc c'est pourquoi on est dans le quad view. Donc vous avez vu comment rentrer dans les quad view, vous faites là et vous tapez toggle quad view, hein, un truc comme ça. Ouais. Voilà. Donc du coup je vais rentrer en plein écran. Et donc du coup je vais sélectionner ma caméra, j'ai fait ça avec B, je suis dans l'object mode, hein, comme vous pouvez constater. Et comme ça, une fois que j'ai ma caméra sélectionnée, donc elle est rouge, hein, j'ai commandé ma chez la 30, j'ai fait tape G, et en tapant G, je peux la déplacer, donc je la déplace là, dans ces plans-là, envers le trait rouge là, en fait, voilà, hop, environ comme ça. Et donc là, je clique, et normalement, il va me laisser ma caméra là. Et donc du coup, la deuxième chose que je vais faire, c'est je vais le prendre dans cet axe et je vais la donner une rotation pour qu'elle regarde vers l'objet en fait. Donc à peu près comme ça. Ouais. Et donc là, elle n'est pas forcément parfaitement en axe, c'est pas grave, on va ajuster ça après avec le... comment on dit, à la main avec des valeurs comme telles. Voilà, donc là, elle va être un peu trop haut, je vais voir qu'elle est plus ou moins au milieu. Donc on va faire ça, donc là je vais la mettre plus ou moins au milieu et je vais la tourner avec R pour qu'elle regarde à l'intérieur de l'objet. Voilà. Ouais. Et donc là j'ai à peu près bien positionné ma caméra, donc on va voir qu'est-ce que ça va donner. Donc si je suis là dans cette fenêtre ici où j'ai mon vue 3D, je peux en cliquant sur la caméra, je peux me mettre dans la caméra. Et je vois, c'est pas du tout parfait, mais on va ajuster ça. Et donc, du coup, déjà, je vais ouvrir là le petite flèche. Et là, avec le petite flèche, normalement, je devrais avoir objet. Non, j'en ai pas. Pourquoi j'en ai pas? Hop. Donc, si je sélectionne vraiment ma caméra, donc je clique à droite à la caméra. Et là, je clique à item. Et donc, là, j'ai l'endroit, la rotation. Voilà. Et donc du coup, je vois que voilà, donc je vois que là je suis pour mettre ça correct, ça va pas être 80, 90.1, mais ça va être 90. Voilà. Et là, ça va être 0, parce que ça va pas être une moitié d'un degré. Donc on va mettre 0. Hop. Et là, je vais mettre aussi 90, et comme ça, je vais être déjà là au bon, comment on dit, à le bon angle avec la rotation. Ouais. Et donc, une fois que ça c'est fait, on peut aussi mettre là, comment on dit, des coordonnées qui sont un peu mieux. Donc là, par exemple, je vais dans l'axe Y, je vais être à 0 surtout. Donc là, je vais mettre ça à 0, comme ça, je suis au milieu de la boîte. Les deux autres, voilà, on va voir ça plus tard, parce que là en fait qu'est-ce qu'on voit, on a une caméra qui est rectangulaire comme ça, et en fait nous on ne veut pas avoir une image comme là, comme le cinéma en fait. Donc là on a une image, je crois pas défaut full HD, mais on peut changer ça. Donc en fait quand on va là à côté, vous avez un bouton qui s'appelle Render Properties, donc les propriétés de rendu, pourquoi, excusez-moi, c'est dans le deuxième, donc c'est Output Properties, donc c'est là, c'est cette histoire qui est comme une imprimante. Et là, vous avez effectivement quelle va être la taille d'image qui va sortir. Et donc là, vous avez 1920 x 1080, et donc en fait, c'est pas qu'est-ce qu'on veut avoir, parce que ça, bon, ça c'est du Full HD, mais on veut avoir une image qui a la forme de notre boîte, voilà, on va faire ça.
Et donc du coup on va ajuster ça un peu. Donc on va faire, moi je vais mettre la 1000 parce que comme ça j'ai un truc à peu près quadratique. Et on découvre, mais c'est pas si mal. Donc du coup si je fais ça un peu encore. Hop. Et ça je peux monter peut-être. Non, je sais pas jusqu'à ce que je veux, mais c'est pas grave. Donc là on peut faire ça. Donc chez moi 1000 fois 18. Ouais, si je mets un peu moins, donc 900. Ça c'est trop petit. Donc là il faut jouer un peu et pour que à peu près vous avez le cadre. Et si vous arrivez pas, mais il faut changer la distance de la caméra en fait. Donc soit vous mettez la caméra un peu plus loin ou soit vous vous rapprochez si vous n'arrivez pas à ajuster là le comment dire le nombre de pixels en résolution qu'on a pour avoir à peu près le comment dire l'objet qui est là à l'intérieur en fait. Ouais. Voilà. Donc du coup on a une caméra qui rentre dedans. Donc ça c'est une chose. Le deuxième chose qu'il faut changer en fait c'est aussi un truc dans Blender que comment dire qui est mis par défaut. Vous avez là comment dire un bouton qui s'appelle donc qui correspond au monde là en fait. Et donc le monde c'est un peu ça vous donne une comment dire une couleur ambiante comment dire autour de votre objet qui effectivement qui émet aussi la lumière donc qui est pas comment dire qui est pas complètement neutre et donc on aura toujours la lumière dans notre comment dire dans notre scène qu'on veut pas avoir parce qu'à tour en fait mais on aura une couleur et on aura la lumière et donc le plus simple à faire c'est déjà vous cliquez là sur background. Et donc là, vous faites couleur et vous mettez ça en noir, voilà. Donc comme ça, vous n'avez pas de couleur à l'extérieur. Et là, strength, vous mettez à 0, hop. Et donc du coup, vous avez plus de monde en fait. Hein. Donc votre monde, en fait, c'est le noir absolu. Et donc du coup, là, si on fait un rendu, en fait, on n'aura rien parce qu'on n'a plus de lumière en fait. Hein. Voilà. Et donc du coup, qu'est-ce qu'on va faire? C'est, il va falloir créer un objet là-dedans qui va nous émettre la lumière. Quand vous voyez la boîte de Quanel, vous avez normalement une lampe là-haut, en fait, au plafond, qui vous allume la boîte en fait, hein, qui vous montre, qui vous donne la source lumière que vous avez dans la boîte. Hein. Et donc on va faire ça. Et donc du coup, comment on va faire ça? Donc on a notre curseur qui est là, mais voilà, notre curseur il va pas être là, il est à l'intérieur. Et donc du coup déjà on va prendre le curseur, on va faire snap cursor to center, hein, to world origin. Voilà. Donc à l'époque ça s'appelait center, maintenant ils ont renommé ça world origin. Donc vous faites ça, hop, on clique là en dessous. Et donc là en fait, notre curseur il est à l'origine de notre système coordonné là en fait. Et donc du coup, on va le faire monter un peu. Donc moi, j'ai fait ça comme ça avec le petit truc là à côté. Donc là, vous avez View. Et là, vous avez 3D Cursor. Et donc là, si je monte en Z, il va monter un peu. Et donc, je vais le mettre environ à mes lieux. Voilà, parce qu'après, je vais me débrouiller pour passer mon objet au bon endroit, en fait. Voilà. Donc quand mon curseur est là, on va se créer un petit cube. Et on va faire notre cube qui les mette la lumière. Voilà. Est-ce que jusqu'à là vous me suivez tous? C'est bon? À peu près? Super. Bon. Ouais? Ouais, pas de soucis. Ouais. Dites-moi, vous en êtes où? D'accord. Ouais. Donc. Ouais. Et après, vous avez là une petite flèche en fait. Et là, vous avez View. Et là, vous pouvez le manipuler là en fait. Donc, c'est View. Et là, en fait, vous pouvez changer l'endroit du curseur en fait. C'est bon? Et là, vous pouvez monter en Z, voilà. Donc, vous pouvez, si vous cliquez là en dessus, vous tapez à gauche, vous tirez votre souris à gauche ou à droite, vous pouvez sans mettre des valeurs à la main, vous pouvez le déplacer en fait. Ouais. Ouais.
Ah oui, mais là vous avez fait tools. Oui, il n'aurait pas fallu sélectionner hein, la box. Donc, est-ce que vous avez déplacé la box, c'est ça en fait? Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon. D'accord. Donc en fait, il faut bien aller là, pas dans item, mais dans view. Et là, dans view, vous avez 3D cursor en fait. Ouais. Peut-être il est fermé comme ça en fait. Oui, c'est bon? Ouais. Ouais, c'est ça. Bah, sinon, on peut cliquer en dessous et vous laissez le bouton de la souris enfoncé. Et si après bah, vous tirez la souris à gauche ou à droite, ça vous change les valeurs automatiquement en fait. Ouais. Vous pouvez faire ça partout dans Blender où vous avez une valeur à mettre en fait. Hein, donc, ouais. Voilà. Donc c'est ça. Donc on a le curseur environ là. Et donc du coup, je vais refermer ça. Donc je vais juste prendre ça et le mettre là en bas. Et donc là, je vais add. Voilà. Donc je vais faire add. Et là, on va ajouter une cube. Donc je vais taper add cube. Et là, il faut juste trouver le bon cube parce qu'il faut prendre pas le empty qui est vide. Mais il faut prendre le mesh là en fait. Hein. Donc c'est add mesh cube. Hein. Donc on va faire ça. Et donc là j'ai un cube, mais mon cube il est un peu grand. Donc du coup on va le manipuler. Donc on va aller dans le object mode. Et donc là je suis bien. Excusez-moi, dans le edit mode. Donc là je suis bien dans le edit mode du cube. Et en fait là je vais justement je vais faire le truc là avec le rayon X là. Donc je vais faire le toggle X-ray. Et comme ça, j'ai désélectionné tous. Donc j'ai fait Alt A. Hop. Et je vais dans le Vertex Select Mode là en fait. Et je prends juste celles qui sont en bas en fait. Donc comme ça, j'ai sélectionné la barre du cube. Et du coup, j'ai fait G pour déplacer. Donc j'ai avec Grab, on déplace. Et là, je tape Z parce qu'il ne me propose pas l'axe Z. Donc je tape Z pour que je déplace que dans l'axe Z. Donc après, vous voyez l'axe Z qui s'affiche. Et du coup, bah, j'ai fait monter ça pour faire un truc plus petit. Voilà, comme ça. Pour faire la lampe, quoi. Ouais. Donc à peu près ça va être. Voilà. Hop. Et après, une fois que j'ai ça, bah, je vais le déplacer pour que, comme on dit, pour qu'il touche presque le plafond. Voilà, en histoire comme ça. Donc je vais me débrouiller pour être là dans le bon plan. Et donc du coup on va faire ça. Non. Donc je vais sortir là pour voir un peu mieux. Et donc du coup qu'est-ce que je vais faire? Je vais rentrer dans le mode objet comme tel. J'ai fait grab, j'ai fait z pour que me déplacer dans l'axe z. Et ma je vais pour qu'il touche pas juste pas le plafond en fait. Hein, pour qu'il est juste comment dire juste au-dessus du plafond. Voilà un peu comme ça. Hop, je vais le rapprocher peut-être un peu encore. Moi qui est à reste moi un Z, hop, pour qu'il touche juste pas le plafond, voilà, disons ça comme ça. Donc là, et comme ça à peu près, bah, on a un objet, mais jusqu'à là cet objet il fait rien, mais on veut que, comment on dit, qu'elle émette la lumière. Voilà, et donc pour ça, je vais vous montrer un concept en Blender. Et donc en fait, qu'est-ce que vous avez pas vu encore, c'est qu'est-ce qu'on appelle le matériau. Donc en fait, tout objet mais peut avoir un matériau. Et là après, là on a besoin d'un matériau qui émette la lumière. Hein, donc pour que cet objet ait bien une lampe finalement. Hein, donc c'est un peu ça. Ouais. Ouais. Voilà, donc du coup c'est donc en fait attends. Tu rentres dans l'edit mode, ouais. Là j'ai sélectionné juste les quatre vertices en bas en fait. Donc attends, je vais te montrer comment faire. Donc en fait là tu vois j'ai 8 vertices en fait. Et donc j'ai besoin de sélectionner que les quatre en bas en fait hein, pour faire la réduction en fait parce que je veux le rapprocher à Zotin. Hein. Et donc avec P, je sélectionne les 4. Pour sélectionner le 4, il faut être. Donc là, j'ai sélectionné que le 2. Bon, il faut. Comment dire, là, c'est un peu serré, mais je me débrouille. Donc j'ai sélectionné le 4. Et après, j'ai fait G. Donc le bouton G pour grab. Ouais. Et après, une fois que j'ai fait G, pour pas le déplacer, comment dire, pour pas transformer mon objet, je tape Z. Et comme ça, en fait, comme ça reste, figé dans l'accès, en fait.
Et maintenant, quand je déplace, mais je peux que le déplacer comme ça en fait. Ah oui, bah pour le changement d'échelle, oui, bah on peut faire ça dans le mode objet ou aussi dans le mode ici en fait, dans le mode edit. Mais pour ça, on sélectionne tout, donc soit avec A, si on est dans le mode edit, et on tape S, et avec S, ça veut dire scale, et en fait, avec S, en faisant bouger la souris, si on s'éloigne, en fait, l'objet il va devenir plus grand, si on se rapproche, l'objet il va devenir plus petit. C'est bon, ouais. Donc c'est S en fait, hein, il faut. Parce qu'en fait, c'est bien à, comment on dit, à mémoriser, comment on dit, ces boutons, parce que comme ça, après, on est plus vite, hein, à la fin, en fait, hein, si on. C'est que E, c'est extrude, S, c'est scale, et tout ça, en fait. Après, vous avez là le bouton, là, en fait, donc vous devrez avoir là un bouton scale, peut-être, oui, vous l'avez là. Donc maintenant, ça existe là aussi, hein, donc. J'ai un peu, comment on dit, j'ai peut-être aussi l'habitude, parce qu'en fait, ces boutons-là, il n'y a pas si longtemps, ça n'existait pas, en fait, hein, mais bon. Donc on a ça et donc du coup une fois qu'on a notre objet là-haut bah en fait donc déjà on va peut-être le renommer donc on va faire la lampe non on peut faire ça et ça c'est notre boîte on va faire ça donc on va faire ça box voilà une histoire comme ça hop donc on a ça et du coup si j'ai comment on dit si je sélectionne la lampe donc là j'ai avec comment on dit donc là j'ai avec le bouton droit j'ai sélectionné la lampe je peux aussi sélectionner là hein, pour que c'est juste la lampe qui est sélectionnée bah, on va comment dire on va changer le matériel de la lampe en fait hein. Et donc pour faire ça vous avez là un bouton qui s'appelle Material Properties donc propriété de matériaux. Et donc du coup là vous êtes bien en lampe, voilà donc il vous dit bon bah là vous êtes au matériau de la lampe en fait, ouais. Et donc là normalement si vous avez déjà créé des matériaux vous pouvez les sélectionner là dedans en fait. Et donc là on va créer un matériel en fait, donc là c'est Add New Material parce que jusqu'à là en fait on n'a pas de matériaux, comment on dit, donc là c'est juste un truc par défaut qu'il met automatiquement pour que, comment on dit, que vous faites automatiquement quand vous faites rien il vous met une solide grille en fait hein. Et donc là, en fait, on va changer les matériels et on veut avoir, comment on dit, je vais vous montrer comment créer un matériel après. Donc on va faire New là, hop, voilà, donc ça c'est fait. Et donc là, on a Use Nodes, ouais. Et donc vous faites Use Nodes ici. Et donc du coup, peut-être là, on va dans le, on va et désactiver le Quad View. Donc on va faire Toggle Quad View. Et donc on a, comment on dit, on a notre nouvel matériel qui s'appelle la matériel 01, donc on va le renommer à, comment on dit, je vais faire lamp, matériau lampe, un truc comme ça, ou M lampe, un truc comme ça, ouais. Voilà, pour savoir que c'est le matériel de la lampe. Voilà. Et donc du coup, on a là Use Nodes, et donc du coup, on va. Un deuxième truc, c'est ce que je vous ai montré. Donc vous ferez là le split là, donc horizontal split. Donc là vous cliquez à droite juste là la bordure, ça vous propose le split. Et donc là en fait, je vais splitter mon écran en deux parties pour que je peux éditer là la lampe en fait. Donc là je vais regarder que je vois mon objet là-haut et en bas, je vais comment on dit. Donc là on va se mettre carrément dans le vue de la caméra. Hop. Et en bas, on va changer. Donc là, vous avez cette petite bouton qui vous change le type de votre fenêtre. Et donc là, vous êtes dans le vue 3D standard. Et donc là, on va aller dans qu'est-ce qui s'appelle le Texture Node Editor. Est-ce que ça devrait être ça, a priori? Voilà. Hop, on va voir ça. On n'a pas un autre Material Node Editor, non. Donc essayons ça. Non, c'est pas ça en fait. Je vous raconte des bêtises. C'est Shader Editor, excusez-moi. Shader Editor, donc voilà, donc on est là. Et donc là, vous pouvez zoomer un peu hein, avec votre souris. Hein, et en fait, les objets là-dedans, ils se déplacent
comme partout en Blender, donc vous pouvez là avec Alt A vous pouvez les tous sélectionner, et avec B vous pouvez vous pouvez sélectionner vos nœuds là en fait, et donc du coup on a le matériel par défaut qui est cette principled PDSF, donc ça on va effacer, donc on va faire X, voilà, hop, et donc ça pour qu'il vous reste juste le material output, voilà. Donc du coup là on a un matériel qui a rien en fait, hein. Et donc du coup on va faire add, et donc en fait on a besoin d'une shader, et donc qu'est-ce qu'on va faire, on va faire une emission shader, donc pour que le pour que effectivement l'objet il émette la lumière, et pour que l'objet il émette pas que la lumière, on va faire aussi add shader, et on va faire une on peut faire une glace, donc on peut faire carrément glace, ou on peut faire on va faire ça qu'est-ce qu'on va faire là, glace, non pas forcément ce que j'ai vu avoir, on va faire juste diffuse, voilà. Après vous pouvez jouer, hein, vous pouvez faire votre propre truc. Et donc là on a le deux shader, et du coup on va faire add, et on va faire une input, et donc là on va faire RGB pour qu'on peut changer la couleur de notre lumière là en fait, voilà. Et donc on a cette input avec la couleur qu'on peut choisir, et donc du coup on va connecter ma color to color là en fait pour qu'on a ça, ouais. Et après on a besoin parce que là on a que un output, donc on a que une surface là en fait, et du coup il nous faut une color il nous faut une shader, une mix shader en fait, voilà, c'est ça en fait, hop, voilà. Et donc du coup je prends ça, je vais déplacer un peu pour que je me fasse un peu de place, hop, et donc là j'ai mis un à l'entrée ou là en fait, hop, et un à l'entrée pas, hop. Et donc du coup j'ai mes deux shaders qui est rentré là dedans, et à la fin je vais prendre celui là à la surface, voilà. Et donc là avec cette facteur je peux changer ma combien je veux avoir diffusion, combien je veux avoir émission. Donc là j'ai fait le mix parfait, donc j'ai 0,5, hein, donc j'ai c'est ça. Et là pour la émission on peut changer combien d'émissions à mettre là dedans. Bon, maintenant on va faire une autre chose, donc en fait là vous allez dans render properties. Et là, en fait, par défaut, vous avez Eevee qui est qui fait des rendus, mais pas si bon, qui est plus ou moins instantané, qui est un peu en preview. Mais c'est pas ça qui est ce qui nous intéresse. Donc, on va aller sur un truc qui s'appelle Cycles, voilà. Et donc, Cycles, c'est le rendu quand on veut faire vraiment des images, voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, ça, c'est un vrai path tracer qui fait la traçage des rayons. Et donc là vous avez device, donc vous pouvez choisir si vous avez votre carte graphique, comme je vous ai montré avant tout au début avec des properties, si vous l'avez sélectionné votre carte graphique, si vous en avez, si elle s'est affichée, vous faites la GPU, voilà, j'ai fait ça parce que ça me fait le truc il marche un peu plus vite. Et du truc, une fois que j'ai fait ça, voilà, donc vous avez là une valeur qui est 128, et là vous avez 32. Et donc ça, c'est le nombre d'échantillons qu'il fait. Et donc c'est un truc, c'est une histoire de combien de rayons chez Lens pour avoir l'image. Et quand vous avez peu de rayons, en fait, vous avez un peu un grisaille, parce qu'en fait votre image il va pas être net, hein, donc vous avez un peu des ça va pas, vous verrez ça en fait, hein, je vais vous montrer ça. Donc là en fait on peut aller on va faire le preview directement rendered en fait, donc on va là, vous avez viewport shading, et est-ce que ça va être ça, hop, et là en fait là j'ai mon objet en fait, hein. Et donc je vois tout de suite, mon truc là il est lumineux, c'est très chouette, mais il n'est pas très lumineux, hein, pour être très honnête, hein, parce qu'en fait on voit que notre boîte en fait elle est très elle est pas très lumineux, hein, voilà, c'est un peu voilà.
Et donc du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Je prends là Emission, et donc du coup, je peux faire Strength. Et si je monte le truc là... Bah vous voyez, j'ai déjà une boîte qui est plus lumineuse en fait. Ouais. Et donc c'est justement, vous voyez, cette histoire de grisaille là, ça c'est parce qu'on n'a pas d'assez d'échantillons en fait. Hein. Donc si j'ai montré à RA les échantillons, mais là c'est juste pour avoir un preview, donc pour que ça vienne rendu très vite, bah on fait pas tellement d'échantillons, donc on fait juste 32, et donc en fait ça fait après un moyen sur des échantillons et ça vous fait une image beaucoup plus nette. Et donc du coup en rendu on a 128, ça peut peut-être pas suffisant, mais si par exemple si je clique la render image, hop. Bah voilà, donc déjà il m'a fait des petites tiles, donc pour ceux qui sont, comment dire, je vais arrêter ça, parce que pour ceux en fait qui sont sur des GPU, pour ceux qui sont pas dans des GPU, vous laissez le truc comme tel, pour ceux qui sont dans des GPU, vous avez là, quand vous allez vers rendu, non, c'est pas là, excusez-moi, ça devait être là quelque part, vous avez quelque chose qui s'appelle performance. Et donc là, pour ceux qui sont sur la GPU comme moi, vous faites là threads, vous avez besoin de fixe parce que vous avez besoin que de un thread parce que votre rendu il va être fait sur la GPU. Hein. Et là, les tiles en fait, sur la GPU, vous pouvez faire des tailles plus grandes. Vous regardez toujours que c'est une puissance de 2. Donc là, on est à 64. Et là, sur la GPU, vous pouvez facilement aller à 512 en fait. Voilà. Pour ceux qui sont sur la CPU, qui font pas le rendu sur la CPU, donc qui ont pas dans le... c'est maintenant changer le truc sur, comment on dit, de CPU à GPU, ou qui justement en ont pas dans leur ordinateur, qui peut faire ça, vous faites ça. Voilà. Et donc du coup, comment on dit, donc du coup, une fois que j'ai fait ça, je peux faire là, render, et render image, et donc du coup, hop. Et donc du coup vous voyez il m'a fait des tailles plus grands, voilà, comme j'ai changé ça. Et donc du coup on voit combien d'échantillons il fait, et vous voyez que le plus d'échantillons qu'il fait, le plus net l'image il devient en fait. Et si c'est pas assez net, on peut là augmenter le nombre d'échantillons, sachant si on fait plus d'échantillons, ça prend plus longtemps à calculer en fait, hein, donc c'est juste ça la grande question en fait, voilà. Et donc du coup, en fait, on a, comment dire, on a notre boîte, notre boîte qui est finie, voilà. C'est à peu près ça. Hein. Donc là, on est quand même arrivé au bout du cours. Je dirais ça comme ça. Attendez, je vais voir déjà quelle heure il est, parce que c'était à peu près ça l'objectif pour aujourd'hui. Et après, on peut placer des objets dedans. Vous pouvez vous amuser à placer des objets dedans. Essayez, si vous placez des objets là-dedans, donnez-leur, comme vous avez donné au cube là, un matériel, voilà, et vous changez là avec le nœud que vous avez, avec le shader nœud, vous changez le nœud, vous changez qu'est-ce que vous avez, vous pouvez par exemple faire une sphère là à l'intérieur, vous faites Head Sphere, et vous faites après, qu'elle est en vert en fait, donc vous faites là Shader, par exemple, glace, et vous regardez, qu'est-ce qui se passe avec la lumière si vous faites une sphère, une sphère en vitre là-dedans, en fait. Hein. Voilà. C'est à peu près ça. Déjà, on va toggle full screen. Donc, on est 15h12. Vous en êtes où, en fait, dites-moi. Ouais. Ouais. D'accord. Est-ce que vous êtes là dans le, comment on dit, est-ce que vous avez là changé sur Cycle, c'est bon en fait. Render Engine. D'accord. Donc là, vous avez mis la lumière là-dedans. Ouais, c'est bon. Et quand vous avez augmenté là, le strength,
Ouais. Ah d'accord. Oh. D'accord. Là, je ne sais pas pour être très honnête. Est-ce que votre caméra, il est au bon endroit? Parce que ça peut être peut-être que vous n'êtes pas dans le but de la caméra, hein. Ça peut être ça aussi, hein. Ouais. Bah ça c'est bizarre. Et donc là, si vous faites render image, vous avez une image qui est un peu qui est foireuse, c'est ça? D'accord. Et là, vous voyez le mur comme ça en fait. Donc là, c'est bon en fait. Bah c'est effectivement bizarre, hein. Donc là, pour être très honnête, je peux pas vous dire. Je sais pas si vous voulez, vous pouvez partager votre écran et on peut peut-être voir si on trouve quelque chose, mais là, pour être très honnête, je saurais pas, hein. Pour être très honnête, je sais pas. Faut réessayer. Ouais. Faut réessayer en fait, je sais pas. Qu'est-ce que vous avez là? Vous avez 128, c'est ça? Vous avez là fast tracing, c'est bon? Vous avez là pas désactivé par hasard, je sais pas, parce qu'on peut désactiver là. Vous avez Parsis, vous avez Combined Set, vous avez tout ça en fait. Ouais, c'est bon. Je sais pas, pour être très honnête. Et là, en fait, pour la box, vous avez quand vous êtes là dans le matériel, vous avez rien en fait, on est bon. Non mais pour la lampe, oui, pour la box. Bah effacez ça, voilà. Donc vous faites juste moi en fait, voilà, si c'est là-dedans. Et pour la lampe, vous avez juste votre matériel lampe en fait, c'est bon. Bah sinon, vous ajoutez là juste un matériel et vous faites un truc pour peut-être essayer à fixer ça. Hein. Ouais. Sinon, qu'est-ce que je vais faire après le cours? De toute façon, je vous enverrai le comment on dit le Blender pour que vous pouvez le fichier là en fait, pour que vous pouvez jouer avec en fait. Voilà. Bon, c'est un peu dommage pour maintenant parce que maintenant vous aurez été temps, vous pouvez comment on dit, vous pouvez ajouter par exemple là une sphère et voir qu'est-ce que la sphère elle fait avec la lumière.